Dites voir dans votre moulinette, Daniel Morin, il y a pas mal d'actu ce matin. Ouh, absolument, Eric. Une fois encore, rien n'échappe au regard de lynx que vous portez sur le monde. On va parler des voix sur berge, on va parler des suites de l'affaire Rochefort, le satire centriste de chez Castor, on va parler du début des Jeux Paralympiques. Bref, c'est chargé, Eric. Ouais, on ne se ferait pas d'abord un petit coup de samba? Ah, mais oui. Mais vous avez raison, absolument. Allez, merde, samba! Et pourquoi samba, me demanderez-vous, chers collègues qui me regardez, les yeux pleins de sommeil et maintenant avec cette petite étincelle de curiosité qui titille vos rétines? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, c'est jour de fête nationale au Brésil. Ça y est, la décision a été prise par le préfet de police de Paris, période d'essai de 6 mois accordée pour tester les voies sur berge, 100% piétonne. Décision qui enchante certains Parisiens, mais qui en agace d'autres, c'est sûr. D'autres qui n'en ont rien à foutre, par contre, de cette décision. D'autres, comme par exemple... Les Brésiliens, mais oui, ils s'en foutent pas mal, les Brésiliens, des voies sur berge, piétonnes ou pas. Aujourd'hui, c'est fête nationale. Samba, alcool, fiesta, amour, chaleur, fécondation, maladie. Vive le tiers-monde. Aujourd'hui, c'est aussi le coup d'envoi des Jeux paralympiques. La grande question est, à quoi ressemble le dopage pour le sport paralympique? Peut-on gonfler les roues de son fauteuil roulant avec de l'hélium pour être plus léger? Peut-on discrètement rajouter des petits ressorts sous les prothèses pour aller plus vite? Les juges devront être vigilants pour éviter tout débordement. Éviter les débordements, ça va être difficile aujourd'hui. Où ça? Mais au Brésil! Fête nationale! Et pourquoi c'est aujourd'hui la fête nationale du Brésil? Pourquoi c'est le début des JO Paralympiques aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le beau temps et la chaleur reviennent aujourd'hui? Enfin, c'est évident. D'ailleurs, vu l'ampleur de l'événement, aujourd'hui devrait être journée mondiale de la joie et de l'allégresse. Pourquoi? Enfin... C'est l'anniversaire de l'homme le plus écouté du monde depuis ce matin dans les couloirs de France Inter, c'est de la folie. Tout le monde est en maillot de bain en train de faire la chenille, avec en tête de cortège Laurence Bloch, la directrice de France Inter, juchée sur les épaules d'Augustin Trapenard en sueur, lui-même juché sur les épaules du patron de Radio France, Mathieu Gallet. Du coup, chaque fois qu'il passe une porte, la pauvre Laurence se cogne la tête, mais elle s'en fout, sa coupe de cheveux est agréée sécurité routière. Aujourd'hui, oui, c'est l'anniversaire du surhomme. Quel âge a-t-il? Il n'a pas d'âge, il a la sagesse du vieillard et le corps de l'adolescent fougueux. Il était normal que le Brésil célèbre sa fête en même temps que l'anniversaire de celui qui a le rythme latino dans la peau. Celui qu'on surnomme le Corcovado de l'actu, le grand Morito de l'info, la favela de l'interview. Patrick Tudubén Cohen. Joyeux anniversaire. Qui à 8h20 recevra Amos Oz pour parler philatélie et prothèse mammaire. Non, il va parler de son bouquin. Vous êtes latino dans l'âme. Je vous fais confiance pour les cocktails, Patrick, en tout cas. Ouais. Je prends des notes.